La vie des spécialistes. Allez, tu vas boire un coup avec nous. Et... j'ai plus qu'à obéir. Petra, tu trinques avec nous? Ah oui. Santé. Santé. Ah, c'était une belle course. Hein. Tu peux dire tout ce que tu veux, Eric. Oui, mais les Français étaient les meilleurs. Les meilleurs ne sont pas toujours les vainqueurs. En 69, ça a fait la même chose. Bujan Schroeder menait, et puis est arrivée la grosse surprise. Eh, hey, on doit combien? Le tourner, s'il vous plaît. J'arrive. Oui, ça vient. Pourquoi ils ont arrêté la musique, enfin? Si, double moque. Arrête de boire. C'est mes oignons. Tu pourras aller la ploter à la cuisine. Tu veux que tout le monde sache que tu couches avec encore elle? Encore mes oignons. Silence. Puisque c'est si beau... et que ça restera toujours aussi beau, voici... la valse du palais des sports. Salut, Fernando. Et maintenant, on Laisse-moi, j'en peux plus.
Et encore debout? Je t'ai attendu, je viens de terminer. Il est presque 2 heures. Éteins cette radio, s'il te plaît. J'ai eu mon compte de musique aujourd'hui. Ça faisait un de ces bruits, dis donc. Je pouvais l'entendre d'ici, mais toi, t'aimes bien ça? J'ai été sur mes jambes à porter des plateaux toute la soirée. Je suis crevée. Tu veux que je te prépare à manger? Je ne veux qu'une chose, mon lit. Et si je venais te rejoindre? Laisse-moi, tu entends? J'en peux plus. C'est toujours la même chose. Quand Turk s'est fait sortir de la grande course, il était assis là pendant 2 jours. Et il a chiré. Tous, ils viennent ici. Tous les gars. Qu'il y ait une course ou qu'il n'y en ait pas. Ils viennent. Borian. Quand Chiquier. Je peux éteindre la lumière? Tu vas pas me laisser tout seul boire un coup avec moi? J'ai envie de rien. Pas de schnapps, ni de sourire, ni de petits mots gentils. Tu sais pas ce que je supporte, moi. J'ai mal tout le temps. Tu t'en fiches pas mal. J'ai eu des douleurs toute la journée. Oh, ma pauvre. Je suis estropiée. Et c'est comme ça que tu me ménages? La faute à qui si je suis comme ça? Allez, dis-le. Ouais, je sais bien, c'est moi le salaud. Il fallait m'écraser tout de suite, oui. J'aurais pas eu à supporter la vie que tu m'obliges à vivre. Ça aurait été plus humain. Mais... Et tu n'entendrais plus râler. Mais pourquoi tu remets ça encore sur le tapis? Tu n'as pas la moindre idée de ce que je peux souffrir. Oh, du calme. Moi aussi j'aimais la vie. Moi aussi j'aimais rire. Moi aussi j'aimais me faire tripoter. J'adorais ça. Mais tu vas arrêter, oui. Maintenant je suis un boulet dont tu voudrais bien te débarrasser. Non mais tu vas la fermer. Tu penses qu'à te débarrasser de moi? Pour te mettre avec cette traînée depuis le temps que vous faites vos saloperies. Je le sais que je suis un obstacle, vous me le faites assez sentir. On dirait 2 chiens en chaleur. Oh, salaud! Espèce de salaud! Oh, mais ça suffit, salaud, ou je vais te faire salaud. Voir! Tu vas me faire voir quoi? J'ai pas peur de toi. Allez, dis-moi! Je voudrais que tu arrêtes ce boulot. Toi qui n'arrêtes pas de répéter que t'as pas assez d'argent. Pourquoi t'irais pas travailler ailleurs? Parce que là-bas, ça me plaît bien. Bonhomme te plaît, hein? Je voudrais seulement dormir. On n'éprouve pas toujours les mêmes sentiments en même temps, hein? Mais les sentiments changent. L'important, c'est de ne pas oublier chacun ou l'autre. Tu veux me faire un serment? Je te dis que je suis fatiguée. Je cherche à t'aider, c'est tout. Peut-être que tu es prise dans une situation que tu n'as pas voulu, vraiment. Tu es bien jeune. Tu as toujours peur de rater quelque chose de la vie. Je t'en fais pas le moindre reproche, tu sais. Hé, hey, réveillez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas d'autre endroit pour dormir? Où est-ce que je suis? Allez, montrez-moi vos papiers. Ouais, mais je démarre vite fait. Dans cet état. C'est vous qui avez conduit la voiture jusqu'ici? Mais j'en sais rien, moi je me souviens de rien. Cette nuit, il est parti avec sa voiture un peu après 2 heures. Il s'est arrêté ici, je te dis. Je l'ai vu de la fenêtre. Et alors? Viens, viens que je te montre quelque chose. Allez, allez, viens. Du sang. C'est peut-être autre chose que du sang. Non, non, non. Juste avant qu'il parte, j'ai entendu sa femme crier. Elle hurlait. Il n'y a personne ici. Il n'y a personne non plus à côté. Salut, Eddie.
Bonjour, monsieur Seifert. En forme aujourd'hui? Oui, merci. C'est bien. J'ai vu encore bien pire que ça. Qu'est-ce que tu voudrais me faire croire? Je veux seulement te montrer quel genre d'homme c'est. Signez-la, s'il vous plaît, là en bas. Vous allez rendre mon permis? Non, l'alcotest est positif. Il nous reste à attendre encore le résultat de la prise de sang. Vous tenez le volant, n'est-ce pas? Ah oui, il y a des chances. Vous voulez qu'on vous appelle un taxi? Oui, c'est ça. Vous enverrez quelqu'un demain à l'endroit où vous a trouvé pour récupérer votre véhicule. Une cuite carabinée. Oh, je me suis retrouvé quelque part. Et ta femme? Ben, elle est sûrement dans l'appartement. Non, elle n'y est pas. Bon, ben, alors elle s'est tirée. Qu'est-ce que tu as fabriqué? Oh, sois gentil, laisse-moi tranquille. Mais c'est du sang! Sur la porte, les murs, partout, c'est du sang! Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, j'ai mal au crâne. La nuit dernière, ta femme a appelé au secours. Qui a dit ça? C'est vrai, je te dis. Mais elle crie tout le temps. Elle perd la tête aussi, alors. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Dis-le-moi. Mais qu'est-ce que tu veux, enfin? Qu'est-ce qui va pas? Je t'en prie, dis-moi ce qui s'est passé. Mais rien du tout, je sais pas, moi. J'ai eu un trou. Bon, allez, je m'en vais. Ah, c'est vous. Ma femme est là. Mais entrez dans une minute. Ma femme ne va plus travailler chez vous. Ah, et pourquoi? C'est pourtant une bonne place. C'est mieux comme ça. Sur tous les plans. Tu veux quoi, au juste? Rentre avec moi à la maison. Tu m'as bien regardé. Ce matin, nous en avons parlé, n'est-ce pas? Tu me laisses tranquille. Tu ne travailles pas d'habitude à cette heure. La situation est pourtant très claire. Écoute, je travaille quand j'en ai envie. Pointe à la ligne. Tout ça n'est pas très malin. Je pourrais t'en dire autant. Ça sera tout pour l'instant. Oh, c'était en 64, Milan San Remo. Il faisait un temps de chien, mon vieux, un vrai temps de chien, je te le garantis. Ouais. Ah, et tiens, celui-là, regarde, il avait toujours sa fiancée avec lui partout. Comment c'était son nom déjà? Attends. Bon, tu te rappelles de cette jolie fille blonde qu'il suivait? Comment il s'appelait? Veralden. Veralden. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est ça. Ce gars-là a une mémoire fantastique. Ouais, c'est fou. Et qu'est-ce que tu as fait de Liesel? Liesel est partie quelques jours chez sa sœur pour se reposer. Oh, on est bien obligé de se reposer de temps en temps. Eric, deux double boc. Oui, oui, j'arrive. Santé. Santé. Santé, Fernando. Santé, santé, santé. Santé, Eric. Votre bonne santé. La vôtre. Peut-être que Liesel l'a toujours aidé. Sans elle, il tiendrait pas le coup. Ouais, c'est vrai, il le sait. Ouais, j'espère. Mais qu'est-ce que tu as à me regarder? Je lui ai rien fait, moi. Mais je crois ce que tu me dis. Bon, j'y vais. La Boer? Non, non, il est déjà parti. Rappelez demain. Oui, c'est ça, bonsoir. J'espérais que c'était elle. Souviens-toi que je serai toujours de ton côté, quoi qu'il arrive.
Vous êtes de la police? Oui, Hyman, bonsoir. Seifert. C'est vous qui avez téléphoné? Oui, alors vous savez de quoi il s'agit? Montez. Merci. Oui, allons d'abord boire un verre et puis après on parlera. D'accord. Est-ce que vous pourriez fermer la portière? Mais oui, bien sûr. Bonjour, oui, c'est Eric. L'isole est chez vous? Oh non, non, c'est juste pour savoir. Non, 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 c'est pas très grave. J'avais quelque chose à lui dire, mais je rappellerai. Oh, où est-ce qu'elle a bien pu passer? Ne t'en fais non pas, je suis sûre que tu vas la retrouver. Oh, chérie, c'est moi qui ai besoin de toi maintenant, tu sais. Oh non, elle pourra arriver maintenant. Et tu voudrais qu'elle arrive? Oh, il faut que je comprenne ce qui s'est passé, laisse-moi. Mais le cadavre, où est-il, cadavre? Et quelle est la cause du décès, hein, dis-moi? Il n'y a pas de cadavre. Je veux dire qu'on ne l'a pas retrouvé. Non, tu trouves pas que le lundi, c'est souvent drôle, ça? Hmm? Moi, je trouve que le lundi a l'air un petit peu bizarre à la suite du dimanche, non? Et voilà que tu t'amènes le lundi matin avec un meurtre sans cadavre. Non, mais tu te rends compte, hein? Et qu'est-ce que vous diriez d'une bonne tasse de café? Bah, je sais pas si ça va arranger quelque chose, mais après tout, à part... Voilà. Voilà, tout est là-dedans. Bon, bah, tu me le lis ce matin, hein. Mais avec le feu, là. Enfin, le vent du sud, non, c'est, hein, c'est ça. Je ne peux pas me concentrer. Mais... Le rapport vient des déclarations d'un certain Manfred Seifert que j'ai rencontré, un homme de 37 ans, casier judiciaire vierge. Dans la nuit de dimanche, je sous-signais Manfred Seifert déclare avoir entendu les hurlements répétés et les appels à l'aide d'une femme. Les cris venaient du bistrot. Peu de temps après, le propriétaire a sorti sa voiture du garage, puis il s'est arrêté devant le portail. Il est descendu de voiture. Il est descendu de voiture. Il est descendu de voiture. Et il a sorti un corps inerte, puis il l'a placé dans le coffre de la voiture. Il a démarré à très vive allure. Ça aurait pu être aussi un gros sac de patates, non? Alors tu dis que ce Seifert aurait donc vu tout ça? Ben oui, de sa fenêtre. Il peut observer toute la cour devant le bistrot. Tout ça de sa fenêtre. Et qu'est-ce qu'il a observé encore de sa fenêtre? Et puis le jour suivant, j'ai pu constater en entrant dans la cour la présence de sang sur le portail d'entrée ainsi que sur la porte du bistrot. Il y en avait partout. J'ai fait vérifier la déposition. On a effectivement trouvé des traces de sang aux endroits cités. Bonjour. Hey, bonjour. Hey, monsieur Seifert. Désolé de ce qui s'est passé. Mais hier, votre femme ne pensait pas à ce qu'elle disait. Je sais. Mais elle devait être un peu énervée. Votre femme est de retour? Non. Au revoir. Qui veut vous parler? Voilà, monsieur. Merci, le service est vraiment parfait. Dites-moi, vous n'assurez que le service ici ou bien vous assurez aussi le ménage? Mais j'ai pas l'habitude qu'on me pose ce genre de questions. Non, je vous dis ça parce que sur la porte et puis dans l'escalier, hier, il y a eu des drôles de tâches.
Et puis aujourd'hui, on les a lavés. Même lessivés. J'ai fait le ménage, oui. Ah bah c'est une chance que mon collègue ait pu gratter quelques échantillons pour faire les analyses au laboratoire. Bonjour. Bonjour. Monsieur Neubauer. Ouais. Custer, police criminelle. La police. Eh oui. Vous pouvez m'accorder un petit moment pour discuter un peu? Une bière. Bon, oui. Vous avez une clientèle de coureurs cyclistes? Ouais, des anciens coureurs. Et des coureurs en exercice. Et vous avez participé à des courses, vous aussi? Oh oui, mais il y a très longtemps. Je peux vous demander... ce qui vous amène? Bah oui, votre femme, monsieur Neubauer. Ouais, c'est donc ça, elle a raison. Ben oui, c'est ça. Elle est partie en voiture. Oui, mais où est-elle partie? Ah ben ça, je sais pas. Je suis arrivé dimanche après-midi et elle était partie. Mais ça lui arrive souvent à votre femme de partir comme ça, sans rien vous dire? Ah non, c'est la première fois. Sa disparition a-t-elle été signalée? Non. Et pourquoi? Ben, je suis sûr qu'elle va revenir. Est-ce que vous seriez assez aimable pour nous laisser seuls quelques instants, mademoiselle? Mais certainement. Merci. Alors, dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2h du matin, vous avez ressorti votre voiture du garage. Bah, vous tenez ça de qui? Moi, j'ai du témoigne. Ça a pu se passer comme ça. Et pourquoi êtes-vous sorti au beau milieu de la nuit? Ben, j'étais ivre mort. Et je me souviens plus de rien. Donc vous ne savez pas non plus si vous avez pris quelqu'un avec vous ou si vous étiez seul? Ben, aucune idée. Peut-être que j'ai une indication. On vous a vu, paraît-il, porter quelqu'un dans la voiture que vous aviez stationnée à l'entrée de la cour après l'avoir sorti du garage. Ah, ça, je sais pas, commissaire. Je me souviens plus de rien. Vous avez porté votre femme dans la voiture, ou alors peut-être étiez-vous blessé, non? Ça expliquerait les fameuses taches de sang sur la porte du café, sur le portail d'entrée. Vous avez peut-être encore des bribes de souvenirs, non? Ça doit vous paraître incroyable, mais j'ai la tête vide. Eh ben, je vous crois. Ce qui a pu se passer... Oui. Ah, ça glisse, hein. Ma femme est handicapée. Il y a 5 ans, elle s'est fait renverser, c'est moi qui conduisais. Et depuis, ça lui arrive de tomber. Une fois, c'était grave, je l'ai emmenée à l'hôpital. Mais c'est ce qui s'est passé, d'après vous, dans la nuit de samedi à dimanche. Pourquoi pas, oui. Nous avons enquêté pour savoir si quelqu'un a vu votre voiture quelque part cette nuit-là. Dimanche, 6h du matin, une voiture de police l'a interceptée dans les environs de Eslam, juste derrière le pont. Ça, vous vous en souvenez peut-être, non? Ouais. Le pont se trouve à environ 8 km de chez vous. Aucun poste de secours et pas d'hôpital sur la route qui mène à ce pont. Il n'y a aucun doute là-dessus, aucun. Il n'y a que quelques lotissements et puis des champs. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est ce qu'on voudrait bien savoir. Et j'espère que vous allez nous aider, monsieur Neubauer. Est-ce que tu as fait ça? Je ne sais pas ce que tu veux dire. Tu l'as dénoncé, salaud! Tu n'avais qu'à m'obéir, je t'avais dit de ne pas y retourner. Parce que si tu t'imagines que tu vas me reconquérir, espèce de misérable petit bonhomme! Il a tué sa femme, ton Superman. C'est toi qui as inventé cette histoire! C'est pas une histoire, toi-même, tu disais qu'il n'arrêtait pas de la tromper et de l'engueuler.
Et après, et après, et après, je le préfère mille fois à toi. Lui, c'est un homme. Je n'en dirai pas autant de toi. Ce que je veux, c'est te protéger contre toi-même. Tu faisais vraiment n'importe quoi. Tu trouves toujours quelque chose à répondre, mais tu n'es qu'un salaud et je te méprise. C'est pour toi que je le fais. Bonjour, messieurs. Bonjour, commissaire. Alors, vous avez trouvé la voiture? Oui, oui. Elle était juste là, sur le remblai. Ah oui. Ah oui, je vois, oui. Et où mène cette route? Directement à la gare. Il a peut-être pris le chemin que nous aurions dû prendre en passant par la grande rue, direction Poulard, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus continuer. En plus, il devait être très épuisé quand il a eu accompli tout ce qu'il avait prévu de faire. Après avoir déposé la personne qu'il transportait dans... Enfin, qu'il avait dans sa voiture. Oui, et puis si la personne était morte, il a dû repérer un endroit où on ne la trouverait pas de sitôt, hein. Quand vous l'avez sorti de sa voiture, vous n'avez pas remarqué quelque chose de spécial? Il n'était même pas en état d'être interrogé. Il était complètement ivre. Il s'est tout de suite endormi dans notre voiture. Bon, ben, si j'ai d'autres questions à vous poser, on vous fera signe, hein. Et merci beaucoup, messieurs. Au revoir, messieurs. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, au revoir. Au revoir. Alors, entre le bistrot et ce pont, on devrait trouver un cadavre. Oui. À moins qu'il ne soit tout à fait ailleurs. Où ça va, toutes ces voies-là? À Kufstein. Kufstein, Innsbruck, Brenner, Italie. Donc, il y a beaucoup de trains qui passent par ici, non? Des trains de marchandises aussi, hein? Alors, suppose qu'il y a un type qui balance un cadavre juste sur un rapide qui passe sous le pont en pleine nuit, là, vers 3 heures du matin. Et il faut qu'il vise bien. Oh, ça, c'est pas un problème. Les fous et les ivrognes y arrivent très bien. Alors, je suppose, par exemple, qu'il a jeté le corps sur un convoi de marchandises qui passait par là. On devrait pouvoir le retrouver au bout du parcours, jeté sur une voie de garage quelque part. Peut-être vers Kufstein, ou à Brenner, ou ailleurs. Et puis on peut supposer que le train transporte de la ferraille ou du charbon. Alors le corps a des chances de se retrouver peut-être dans une presse ou jeté dans un haut fourneau. Hein? Donc le cadavre que nous recherchons, il se peut qu'il n'existe même plus. Ça se peut que le cadavre ait déjà disparu. Je me suis déjà dit plusieurs fois que je ne reviendrai pas. Pourquoi? Je ne pouvais plus supporter de voir comment tu l'as traité. Ah, faut voir la vie qui m'a mené aussi. Quand tu te fais traiter toute la journée, le d'ivrogne, de salaud, de loque, d'ordure. Elle t'aimait à sa manière. Je revois encore comme elle pouvait te regarder. Ben. Quand tu nous racontais tes histoires et qu'on rigolait bien. Fernando. D'après toi, est-ce que je pourrais vraiment faire quelque chose d'insensé? Explique-toi, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais est-ce que tu me crois capable du pire? Un jour, manger à table avec des copains, je me souviens plus qui, et tu nous as dit... Je voudrais bien qu'elle meure. Qu'elle disparaisse. Tu sais, on peut dire des choses des fois sans réfléchir. Hein? Tu m'as demandé de te dire ce que je pensais. Eh bien, je te remercie. Et moi, je l'aimais bien, Liesel, tu vois. Bien ivre mort, il avait 2,70 grammes d'alcool. Étant dans cet état, vous croyez vraiment qu'il était capable de venir à bout des cadavres? Bah, ça se pose pas toujours dans une sorte de parfaite logique, ce que font les êtres humains. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une de vos dernières trouvailles? C'est pour moi qu'il est trouvé, c'est Nietzsche.
Nietzsche, dans quel bureau il est, celui-là? Friedrich Nietzsche. Ah, ce Nietzsche-là. Non, je crois qu'il n'avait pas raison. Alors, revenons au dénommé Neumeyer. Bauer. Quoi? Revenons à ce nœud Bauer. Vous me dites que maintenant, il a tué son vin et il se souvient absolument de rien. Bah, c'est tout à fait possible. Possible, possible, mais à vérifier. Oh, bah, c'est pas la première fois qu'un meurtrier s'arrange pour faire disparaître sa mémoire dans le même grand trou que le cadavre. Vous êtes au courant, non? Je ne veux pas argumenter sur le sujet maintenant. Pardon. Alors, c'est bien des taches de sang qu'on a trouvées dans la maison? Et c'est bien le groupe sanguin de la femme. Vous avez fait le tour des hôpitaux? Oui, mais sans rien trouver. Dans ces conditions, comment comptez-vous avancer, Juster? Il n'y a plus qu'une seule possibilité. Je pense qu'il faut qu'on l'amène sur place pour qu'il retrouve ce qui est arrivé cette nuit-là. C'est la seule solution. Et vous croyez vraiment qu'il va tout nous raconter sans opposer de résistance? Bah, ça arrive des fois. C'est la police, Eric. Si jamais c'est toi, ne dis rien. Je t'en prie. Et le vainqueur fait le tour d'honneur. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous disiez l'autre jour que votre femme a eu un accident auquel vous n'étiez pas totalement étranger. Comment est-ce arrivé? Je peux m'asseoir un petit instant? Ah, bien sûr. Je vais bien aimer. Allez, va dans la cuisine. À l'époque, je m'occupais encore d'une équipe de coureurs et j'étais pas souvent là. Et même certains jours, c'est ma femme qui devait tenir seule le bistrot. Et pour elle, le sport, ça n'avait vraiment aucune valeur. Pour elle, tout ce que je faisais sans qu'elle participe, c'était nul. Et elle voulait que je passe toute ma vie, tout mon temps libre avec elle. Qu'est-ce qu'on a pu s'engueuler avec ça? Au point que j'ai fini par lui dire que je voulais... Que j'allais m'en aller pour de bon. Qu'est-ce que vous buvez? Non, rien du tout. Non. Je suis monté dans la voiture. Elle s'est mise en travers et elle voulait me retenir. Oh, j'ai été pas très clair. Alors j'ai démarré et elle est passée dessous. Ah, ça c'est embêtant. Est-ce que la police a fait une enquête à l'époque? Non. Ah, c'est étonnant parce que vous auriez pu être accusé de tentative d'homicide. Mais je voulais pas qu'elle meure. Non, vous vouliez juste qu'elle fasse de la place. Parce qu'elle se mettait en travers. Voilà. Parce que... Tout le temps, elle se mettait en travers, c'est ça? Elle me faisait vraiment une vie d'enfer. Mais après l'accident, elle s'est vue esquintée à vie. Et l'enfer est devenu encore pire qu'avant. Hein? Elle m'a achevé pour de bon. Vous n'osiez pas vous en débarrasser, parce que vous aviez des remords de conscience. Il fallait bien que vous la supportiez, voilà. Ah ouais. Et tout doucement, une seule issue s'offrait à vous. Qu'elle disparaisse à tout jamais. Ça veut dire quoi, ça? Comment ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me préoccupe de savoir où votre femme est passée, et c'est ce que vous cherchez vous aussi, non? Peut-être que j'ai fini par me dire... Je sais pas, moi, que... Si elle mourait, elle serait délivrée de ses souffrances. Je crois pouvoir vous dire que la plupart des humains ont eu cette pensée. C'est une question que je connais bien. C'est vieux comme le monde de penser que la mort va nous délivrer de ce qui se met en travers, de notre bonheur, de notre carrière, de tout. Et la mort résout tous les problèmes. Et seul le sens moral
qu'il soit inné ou acquis, nous empêche de passer à l'acte en concrétisant nos désirs refoulés au fond de nous-mêmes. Mais il peut arriver que le sens moral disparaisse. Ça peut arriver quand... quand on abuse de l'alcool, par exemple. Alors on est submergé par le désir de faire mourir l'autre. Quand vous avez écrasé votre femme, vous aviez bu, non? Et cette fameuse nuit, vous étiez ivre aussi. Ah, essayez de vous souvenir. Il devait être environ 1h du matin. Qu'est-ce que vous faisiez à cette heure-là? Essayez de vous souvenir. Je rangeais et ma femme faisait la caisse. Ici, dans cette pièce? Ah, oui. Allons essayer de vous rappeler la situation, monsieur Neubauer. Vous êtes à quel endroit? Et à quel endroit est votre femme? Non, j'en sais rien, laissez-moi tranquille. Mais on a tout le temps. Je reviendrai vous voir, monsieur Neubauer. Bonjour, monsieur Seifert, c'est ça? Je m'appelle Custer, je suis de la police. J'aimerais vous parler un petit instant. Vous venez au sujet du meurtre? Pour l'instant, il s'agit d'une présomption de meurtre. Je vous en prie. Merci. Votre collègue vous a porté ma déposition, n'est-ce pas? Oui. C'est un sentiment humanitaire qui vous a poussé à vouloir déposer une plainte, hein, c'est ça? J'estime que M. Neubauer est dangereux et j'ai voulu le mettre hors d'état de nuire. C'est cette fenêtre-là derrière laquelle vous étiez cette nuit-là? Non, j'étais dans la chambre à coucher. Je peux jeter un petit coup d'œil? Oui. Ah, vous aimez les poissons, hein? Oui. Quand il est parti, il était environ dans les 2h du matin. Hein. Mais il fait très sombre. Et vous avez quand même pu voir tant de détails dans la cour. Les phares de la voiture étaient allumés. Ils éclairaient bien la façade de la maison. Oui, naturellement, oui. Et quand vous avez constaté que votre voisin chargeait un corps inanimé en pleine nuit dans sa voiture, vous avez pensé immédiatement que c'était un cambrioleur. J'avais entendu la femme crier avant de voir la voiture. Mais pourquoi ne pas avoir appelé la police tout de suite, hein? Vous avez le téléphone. On a certains scrupules quand on se trouve ainsi amené à accuser quelqu'un. On se demande si on a le droit de faire une chose pareille. Ah, c'est donc encore une fois un sentiment humanitaire qui a dicté votre conduite, je crois. Le mot est peut-être un peu exagéré. Personnellement, vous n'avez rien contre M. Neubauer. Pourquoi cette question? Oh, si par hasard vous lui en vouliez pour une raison ou pour une autre. J'ai sûrement plusieurs raisons de m'en plaindre. Mais ma déposition n'a rien à voir avec un quelconque ressentiment personnel. Vous êtes vraiment un modèle de conscience civique. Est-ce que tu veux que j'attende? Ah non, c'est inutile. Merci, Fernando. Allez, de rien, mon vieux. Il n'a plus besoin de tes services. Le café est fermé aujourd'hui. Il va rester fermé un certain temps. Ne te réjouis pas trop, Manfred. Il va bien falloir que tu t'habitues à l'idée que cette histoire est finie pour de bon. Tu te mets le doigt dans l'œil. Tu pourras lui rendre visite en prison toutes les 4 semaines. Seulement, tel que je te connais, tu ne tiendras pas le coup longtemps. Tu veux que je te dise? Tu me donnes envie de vomir! Évidemment, je n'espère pas que tu vas me revenir tout de suite. Cette fois-ci, c'était beaucoup plus sérieux. Tu étais amoureuse de lui.
Et je le suis toujours. Je suis folle de lui, tu m'entends? Et tu veux que je te dise? J'ai besoin de lui. Un beau jour, tu viendras me demander pardon pour ça. En tout cas, de l'avoir dénoncé. À ta place, j'en serais pas fière. Non, non, attendez, attendez. Essayez encore de vous rappeler la scène. Le restaurant était désert, hein. Votre femme faisait la caisse. Est-ce que vous avez parlé? Ah, j'en sais rien. Est-ce que vous êtes disputé ou pas? Pas que je sache. Est-ce que la lumière était allumée partout? Non, juste devant. Comme ça? Oui. Je crois bien que je parlais des gars dédiés. Et votre femme? Elle se mettait en fureur dès que vous commenciez à parler de sport. C'est bien ça que m'avait dit, n'est-ce pas? Oui. Elle devait donc être en fureur cette fois-là. Qu'est-ce que vous lui avez raconté? Ben, tu pourrais sourire, boire avec moi. Et elle? Ouais, elle a commencé à parler tout d'un coup. Et elle s'est mise à gueuler, et elle me disait que j'étais un pauvre mec raté. Et elle criait que je l'avais esquinté, que je voulais me débarrasser d'elle. Et puis? Et que j'ai une autre femme que je veux prendre avec moi. Mais elle continuait comme ça à parler, à parler... Mais elle a parlé jusqu'au point où c'est devenu intenable. Ouais. Qu'est-ce que vous lui avez dit, alors? Arrête. Arrête-toi, je t'en prie, arrête-toi. Oui, mais elle, elle s'arrêtait pas, hein? Jusqu'à ce que vous vous retrouviez l'un en face de l'autre, comme nous nous trouvons en ce moment. Alors? Alors, j'ai parlé. J'ai dit quelque chose. J'ai... Enfin, je... Oh, j'ai oublié le reste. Eh bien, ça suffit pour aujourd'hui. On finira bien par découvrir comment ça s'est passé. Vous inquiétez pas. Mignasse. Bonjour, Petra. Bonjour. Je suis là. Ça y est, il est parti, le commissaire. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Dis-moi. Tu veux aller te reposer? Mais enfin, réponds-moi! J'ai toujours eu des filles. Mais elle ne travaillait pas ici. Et ma femme ne supportait pas. Mais Eric, ce qui s'est passé entre nous, c'est tout à fait autre chose. Mais on n'aurait jamais dû s'aimer. Tu te rends compte de ce que tu dis là? Tu voudrais que je te dise que tout va bien? Que la vie est belle, hein, c'est ça? Et pourtant, tu l'as haïssé, Eric. C'est vrai que je l'ai haïssé. Mais c'était ma femme. Oui, c'était ma femme, hein? Tu veux dire que tu ne m'aimes pas? Je ferais mieux de rentrer chez toi. Je suis ton mari.
va-t'en. Mais qui est là? Qui vous a donné mon numéro? Oui. Alors, c'est lui qui vous a donné mon numéro de téléphone. Oui, j'arrive tout de suite, c'est bien. Merci. Alors, je lui ai arraché sa béquille. Elle a crié. Allez, fais-le. Mais pourquoi tu le fais pas? Alors, je l'ai frappé. Une fois... Encore et encore. Pour qu'elle se taise enfin. Elle était étendue par terre. Et j'ai couru à la voiture. Et c'est là que vous avez démarré, mais à la porte de la cour, vous avez arrêté votre voiture. Et puis vous avez porté votre femme dans l'auto. Et ensuite, vous avez roulé dans la nuit jusqu'au pont de chemin de fer. Vous avez raison, ça doit être ça. Et après ça, vous avez attendu qu'un train passe. Et là, vous avez jeté le corps de votre femme. Oui, mais peut-être qu'en réalité, les choses sont arrivées cette nuit-là d'une toute autre manière. Demain matin, venez à mon bureau, s'il vous plaît. Mon collègue Hyman viendra vous prendre. Allez, arrêtez de boire. Tâchez donc de dormir un peu. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de particulier. Je suis avec toi. Pour les photos, je peux les prendre chez moi pour pas qu'elles disparaissent. Fous le camp, Fernando. Écoute, Eric, je... Allez. Allez, fous le camp. Thank you.
voulais mourir. J'ai pensé que je t'avais... Oui, que tu m'avais tué. Il s'en est vraiment fallu de peu. Mais qu'est-ce que tu me racontes, hein? Mais je t'ai frappé. Oui. Tu m'as frappé, je suis tombée. Et puis après, je t'ai porté. Tu m'as porté où? Eh ben, au pont. Mais tu es partie comme un lâche sans t'occuper de moi. Tu m'as laissée toute seule. Je me suis traînée comme j'ai pu. Un taxi m'a ramassée sur le bord de la route. Il m'a conduite à la fondation chez les sœurs. Mais pourquoi est-ce que tu n'as rien dit depuis le temps? Au bout de 2 jours, je suis revenue prendre mes affaires. J'ai rencontré Fernando au coin de la rue. Il a dit que la police était là avec toi et qu'on pensait que tu m'avais tué. Fernando est toujours de mon côté. Il m'a promis de ne dire à personne qu'il m'avait vu ce jour-là, alors je suis repartie. Fernando m'appelait régulièrement tous les soirs. Je savais que la police t'interrogeait sans relâche, que tes copains t'abandonnaient, que tu devenais fou petit à petit. Je me disais, il est en train de payer ce qu'il m'a fait. C'était enfin ton tour. À une demi-heure, Fernando a téléphoné que tu étais au bout du rouleau. J'ai voulu revenir te voir crever. Fernando a raison. C'est fini pour toi. Tu es un homme fini. Tu me fais pitié. Je te croyais fort. Est-ce que j'ai pu être bête? Je vais faire ma valise. Je m'en vais pour toujours. Tu n'es même pas un homme. Tu es une bête malfaisante. À cause de toi, toute ma vie, je serai infirme. Je voudrais que tu crèves. Je voudrais que tu crèves. Que tu crèves. J'ai été affreuse avec toi, des fois. Tout ça, c'est du passé, chérie. Dis, tu connais cette impression-là, après une maladie, quand on commence juste à marcher, et puis on croit qu'on va tomber tout le temps. Oui, peut-être que c'est une maladie qui te gagne, et qu'il n'y a rien à faire à ce moment-là. Il y a une voiture qui a démarré. Ça m'est bien égal. Moi, j'aimerais qu'on déménage, qu'on s'en aille. Je veux oublier ce qui s'est passé. Bonjour. Bonjour, commissaire. Bonjour. Qu'est-ce qui a trouvé le corps? Deux écoliers, des garçons qui passent par là tous les jours. Bonjour, docteur. Bonjour, Chester. Vous avez des empreintes? Pratiquement rien. Elle a des papiers sur elle? Aucun papier, ni objet de valeur, ni argent. Ah. Elle ne peut pas être morte depuis 12 jours. Non, la mort ne peut pas être antérieure à 6 ou 7 heures, commissaire. Pour plus de précision, il faudrait une autopsie. Vous pensez à quoi, là, patron? Ce serait elle, la femme? Oui. C'est elle, c'est Liesel Neubauer, la femme que je cherche depuis 12 jours. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit là. Toute la théorie que j'avais dans la tête était fausse. Bonjour, monsieur Neubauer. Bonjour, je vous attendais. Pendant 8 jours, vous avez pensé que c'est vous qui aviez assassiné votre femme. Et que, ensuite, vous aviez emporté le corps pour le jeter du haut du pont. Ouais, c'est ça. Eh ben non. Ça, c'était ma théorie à moi. Et je voulais ressasser jusqu'à ce que vous aussi vous pensiez que c'était vrai. Mais c'était une grossière erreur de ma part. Nous venons d'apprendre il y a un instant que votre femme n'a pas été assassinée il y a 8 jours, mais qu'elle a été tuée la nuit dernière. D'autre part, elle n'a pas été battue à mort. Elle a été étranglée. Ah oui, mais il y avait bien du sang partout. Vous l'aviez blessée, elle a dû trouver moyen de se réfugier chez,
chez quelqu'un, quelque part, peut-être chez des amis ou alors des parents, je pense. Ça, on va le découvrir. Non, non, je l'ai porté à la voiture, ça c'est sûr. On m'a bien vu le faire. Nous avons entendu encore une fois, il y a une heure, le témoin qui avait affirmé formellement vous avoir vu porter le corps dans la voiture cette nuit-là. Il a avoué avoir inventé tout ce qu'il a dit. Qui a tué ma femme, alors? Elle était dehors, il devait être 1h du matin. Peut-être qu'on a voulu lui voler ses bijoux. Et puis quand elle s'est défendue, l'inconnu l'a tuée. On ne sait pas qui c'est. Oui, mais vous allez bien le retrouver. Enfin, tout ce qu'il faut pour le retrouver. Mais ça va être bien difficile, je le crains. Je suis vraiment désolé pour vous, monsieur Neubauer. Je me rends compte maintenant que vous êtes éprouvé malgré tout par la mort de votre femme. Et parce que c'est si beau et que ça doit le rester. Encore une fois, allez! La marche du palais fort! En souvenir de notre Liesel. Inoubliable ami. Nous prenons part à ton chagrin. Toutes mes condoléances, Eric. On est là, près de toi. Tu peux compter sur nous. Au nom de notre amitié. Elle va me manquer. Allez, on danse.